Parce qu'aujourd'hui, le monde change et les musulmans font partie de ce monde. Donc, ils ne sont pas à l'abri de ce changement. Et les sociétés musulmanes connaissent aujourd'hui une mutation palpable, malgré les apparences et malgré la résistance des conservateurs. Aujourd'hui, quand on voit par exemple dans les sociétés musulmanes un couple assis sur un banc dans un parc, ils traduisent vraiment un changement. Car il y a à peine quelques années, cela n'était pas possible dans les sociétés musulmanes. Donc les femmes aussi qui investissent le monde du travail traduisent ce changement. Le changement non seulement des femmes, mais aussi des hommes, car la société est faite d'hommes et de femmes. Ce changement est dû au contact avec l'autre, car aujourd'hui nous vivons justement l'ère du contact avec l'autre, un contact réel, un contact instantané et un contact permanent. Ce contact est dû aux nouvelles technologies, il est dû aussi à la révolution numérique qui ont aboli les frontières. Il y a aussi le fait que beaucoup de musulmans vivent aujourd'hui en Occident. Donc le contact avec l'autre est là, le changement aussi, ce contact se traduit par le changement. C'est pour cela qu'il est impossible aujourd'hui qu'on continue à proposer aux musulmans une version de l'islam qui remonte à ses premiers siècles. On ne peut pas leur proposer une version de l'islam qui est adaptée à une époque et une société qui ne sont plus les leurs. Pendant la fin du XXe siècle et du XIXe siècle et tout le long de la première partie du XXe siècle, la question de l'islam, la réforme de l'islam a été posée et les musulmans ont fini par opter pour la préservation de leur tradition. Autrement dit, ils ont opté pour la non-réforme. Pour cela, ils ont choisi l'isolement afin de protéger leur religion, de protéger leur tradition de tout contact avec l'autre et de surtout l'influence occidentale. Et si l'isolement aujourd'hui est impossible, cela revient à dire que la réforme devient une nécessité. Et pas seulement une nécessité, mais aussi une responsabilité. C'est ce que je pense en tout cas, une responsabilité envers les autres, mais aussi envers les musulmans eux-mêmes, car il est important aujourd'hui et même urgent qu'on finisse avec l'écartèlement entre le passé et le présent, le passé auquel les musulmans pensent devoir appartenir et le présent auquel ils appartiennent. Il est important aujourd'hui qu'on finisse avec le désarroi que cette situation provoque, qui pousse beaucoup au fondamentalisme et certains même à la violence. Ce que je désigne par réformiste qui bloque la réforme, je désigne tous les docteurs de l'islam et les penseurs qui ont appelé à la réforme tout le long du 18e, et même, oui, 18e, 19e et même la première partie du 20e siècle. Ces réformistes qui ont appelé à la réforme, qui se sont présentés comme des réformistes, mais qui en réalité n'ont pas réformé l'islam et même ont œuvré au blocage de cette réforme. Et ces réformistes, je les divise en trois catégories. La première sont ceux qui appellent à la réforme, mais considèrent que la réforme ne consiste qu'à rectifier et réparer ce qui a été abîmé en islam. Ce sont les réformistes salafistes qui considèrent ou qui orientent la réforme vers le passé. Pour eux, donc, ils ne présentent ou ils ne proposent rien de nouveau, mais ils cherchent toujours à retrouver ce qui a été fait dans le passé. Donc, cela, en réalité, ne réforme pas dans le sens de la réforme que nous voulons aujourd'hui ou celle dont nous avons besoin aujourd'hui. La deuxième catégorie sont ceux qui parlent de la réforme et insiste sur le fait que les sociétés musulmanes ont changé et que l'islam doit suivre, car les musulmans vivent aujourd'hui une nouvelle époque, etc. Cela termine par contre leur discours
toujours avec des conditions qui finalement ne permettent pas cette réforme. Par exemple, il le termine toujours avec « à condition que cela ne touche pas les versets explicites », « à condition que cela ne touche pas les règles immuables ». Or, ce sont justement ces versets considérés comme explicites et ces règles considérées comme immuables qui posent problème. Si la réforme s'arrête à la porte de ces versets explicites et de ces règles immuables, cela revient à dire qu'on ne réforme pas. Évidemment, pour eux, ils s'arrêtent au niveau de ces versets et de ces explicites ou qu'ils considèrent comme explicites et ces règles immuables parce que c'est ainsi que les anciens voulaient que cela, que l'islam soit et que ces versets ne doivent pas être touchés. Comme exemple de ces réformistes qui parlent, qui revendiquent la réforme mais qui en réalité ne réforment pas, je peux donner l'exemple de Tariq Ramadan. D'ailleurs, j'ai écrit un article là-dessus où j'ai expliqué que Tariq Ramadan se présente comme un réformiste, mais à la fin, il ne réforme pas car il exclut, comme je viens de le dire, les versets explicites, les règles immuables. En un mot, il exclut de la réforme tout ce qui pose aujourd'hui problème et qui a besoin de réforme. La troisième catégorie sont ceux que j'appelle les modernistes salafistes. Ce sont des personnes, des penseurs qui ont défendu les valeurs ou les idées nouvelles comme la laïcité, la démocratie, l'égalité homme-femme. Cependant, ils cherchent toujours dans le passé le bien fondé de leurs idées. Autrement dit, ils cherchent chez les anciens ce qui peut valider leurs idées, comme si seuls les anciens peuvent valider une idée. Et cela, ils se sont mis sur le terrain des conservateurs, des salafistes, des religieux. Ils n'ont jamais pu convaincre les musulmans. Les trois catégories que je viens de citer sont sous l'influence de l'esprit salafiste. Les premiers appellent à une réforme qui est tournée vers le passé, alors que la réforme dont on a besoin aujourd'hui est une réforme qui doit être orientée vers l'avenir. Et pour qu'elle soit orientée vers l'avenir, il faut absolument que l'esprit ou la pensée musulmane et l'esprit des musulmans soient libérés de cette emprise de l'esprit salafiste et ce que j'appelle l'épistémologie salafiste. On ne peut pas penser l'islam sans sans prendre en considération toute cette pensée musulmane qui a été déjà mise en place depuis l'arrivée de l'islam jusqu'à aujourd'hui. Même quand on tourne notre pensée vers l'avenir, l'avenir ne se construit pas tout seul dans le domaine de la pensée et dans le domaine de la science. Donc, évidemment, je travaille sur ce qui a été fait dans le passé pour comprendre déjà où se situent les problèmes. Comme je viens de le dire pour la question de la réforme, il fallait que je comprenne d'abord où se situent les problèmes et pourquoi on n'a pas pu réformer jusque-là. C'est pour ça que j'ai parlé des réformistes qui bloquent la réforme. Donc, c'est ce travail sur ces réformistes qui m'a poussée à aller pour revendiquer une autre manière de réformer qui est fondée sur tout d'abord une pensée libre, il faut libérer la pensée de l'emprise salafiste, mais pour libérer la pensée il faut d'abord qu'on réhabilite son image, sa représentation dans la pensée des musulmans, car il faut savoir que le salafisme a gagné au détriment de la pensée, créatrice et rationnelle. C'est-à-dire que le salafisme a été construit justement pour bloquer la pensée. La pensée qui, comme je viens de dire, créatrice et rationnelle. Cette pensée a été bloquée parce qu'on l'a accusée de tous les maux, d'être tout d'abord l'ennemi de l'islam, d'être un danger pour l'islam. Donc aujourd'hui, cette pensée a une image négative dans la pensée des musulmans. Elle a une représentation qui est négative. Donc il est important qu'on réhabilite d'abord cette image qui
permettra aussi de débloquer la raison, à ce moment-là, on peut aller vers une réforme, une réelle réforme de l'islam, ou ce que j'appelle moi une réforme véritable de l'islam, qui est orientée vers l'avenir. Car seule une pensée libre et libérée peut penser l'avenir. Je dirais que les musulmans, dès le départ, se sont posé la question de la place qu'il faut donner à la pensée ou pas face à la révélation. Autrement dit, est-ce que la révélation est capable de répondre à toutes leurs questions ou ont-ils besoin de la pensée pour elle aussi répondre à certaines questions. Autrement dit, est-ce que la révélation est la seule source de connaissance ou la pensée peut elle aussi être une source de connaissance? Donc c'est une question épistémologique qui a interpellé les musulmans. Ils ont fini par, vers la fin du XIIe siècle, par choisir la révélation au détriment de la pensée, au détriment de la raison. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu cette défaite de la pensée. Et depuis, la pensée musulmane et les musulmans vivent les conséquences de cette défaite de la pensée. Donc il est important aujourd'hui qu'on réhabilite la pensée comme faculté de réflexion, comme faculté de raisonnement, afin qu'on sorte justement de cette défaite de la pensée. La défaite de la pensée, c'est elle qui a créé ou qui a conduit à la défaite de la civilisation musulmane. Quand on dit défaite de la pensée, c'est défaite de l'intelligence, c'est la défaite de l'être humain, donc c'est la défaite de l'être humain face au divin. Or, l'être humain, il doit avoir sa place, et l'intelligence aussi. Dans notre vie, si on veut comprendre notre réalité et si on veut penser surtout notre avenir.